Eh bien, bon, je salue, nous, je dis que l'actualité a toujours dominé à ce qui a passé aux États-Unis, et surtout avec position et bon, Tidi Feboulé, qui est un président Donald Trump avec un candidat, en fait, président élu Joe Biden, Tidi Feboulé, ça a censé calmer Kounia, parce qu'au moins, il y a un comité d'élection qui a commencé à travailler déjà, et il y a eu accès avec à l'autre agence fédérale américaine pour être capable de consulter le dossier avant même que la transition arrive. Il y a une idée de tout ce qui a passé. Et il y a un feu vert là, c'est le président Donald Trump qui balie, avant le président Donald Trump. Le président Donald Trump qui font apparition tout court en public ou devant la presse. Et il y a Madia, il n'y a pas traité dans un seul bout de fonds annonce que vous avez dit et le marché de la bourse pour une augmentation et Dow Jones Industriel là pour une augmentation 30 000 que le constitue le point crédit pour lui alors que dans la déclaration qu'il a fait avant. Que si président et si Joe Biden élu dans l'élection, eh bien, marché a l'a chuté. Donc, marché la bourse a chuté. Et c'est contraire, bon, alors que l'école était venue avoir des questions, mais il n'y a pas de crédit pour lui, pour lui, alors que, et quand il y a passé démocrate là, Joe Biden, c'est lui-même qui est élu dans l'élection. On a suivi de ses apports. Et président tout, il était profité de l'occasion, ça tout, il était fait une cérémonie dans la Maison Blanche, côté il gracié ou bien pardonné de Coden. C'est une tradition aux États-Unis que chaque année, le président qui est sous pouvoir lui pardonne de Coden. De Coden avant de laguer, avant de y aller la météo dans un parc national pays. Donc, le président a fait cérémonie ça, et de Coden, c'est un symbole qui montre de Coden ça, il dit que c'est eux-mêmes seuls qui va mourir. Pendant la fête d'action de grâce, nous connaissons la fête d'action de grâce qui est d'abord pour jeudi 26 novembre. Non? Tu en fait que les Américains célébrent côté en général, les Américains mangent Coden pour plus fort. C'est ça, on est une grande fête de célébration. Nous sommes dans le pays, pas nous, et nous avons l'année année à nous manger Coden dans la caille. Et on, côté qui a ici mangé en pile, qui est surtout dans la fête des aïeux de janvier. Eh bien, Américains, même si la Fédération de Gaza qui ont une longue histoire et là-dedans, et alors, on dit pour Haïti, c'est une fête que Haïti célèbre en pile, en plus de 1er janvier, mais c'est fête ça qui ont l'autre caractéristique là-dedans pour Haïti. C'est pratiquement ça qui est un président, il est censé commencer à nommer cabinet ministériel, nous avons ça, c'est membre. Qui peut aller dans le centre et d'avoir politique affaires étrangères aux États-Unis, gagner et ministre, en fait, non, prochain ministre affaires étrangères là, gagner tout John Kerry, par exemple, qui était en train de dire malheur dans l'élection présidentielle 2004, qui lui-même s'est envoyé spécial président pour le climat, et on a parlé que les États-Unis a pu tourner dans l'accord Paris, d'après l'annonce que l'autorité a fait. Et puis, gagner. L'autre officiel, il y a un officiel pour le département de trésor, par exemple, qui nomme un officiel pour le prochain dirigeant pour sécurité intérieure, qui nomme. Mais en fait, d'après tous les commentaires qui font, je dis que il y a son gouvernement, son administration, mais son cabinet ministériel qui parle refléter la société parce qu'il y a une diversité là-dedans. En Haïti, alors si nous avons apprêté aux États-Unis, après l'élection aux États-Unis, que nous avons toutes les conséquences, surtout sur les présidentielles-là, et avec l'élection et chambre députée, chambre, donc Sénat avec et chambre députée, gagnons tout, beaucoup de pardon, tout nos grands pays, nos haïtiens, tout qui est élu tout, dans le niveau local, que ce soit dans le niveau local ou dans le niveau État, par exemple. Journal de Nouvelle-Liste et soutien avec une liste détaillé de non-haïtiens sahéo qui au même temps haïtiens américains qui portent des contributions par eux dans la communauté côté social mais c'est surtout eux-mêmes qui réalisent des voix haïtiens dans un niveau local ou bien encore dans un niveau état local ou bien dans un niveau congrès local là. Par exemple ma bonne dit que moi prends d'abord dans le journal de nouvelles que j'ai publié et que me conseille nous à lire le journal de nouvelles pour nous et non-haïtiens sahéo et passer qui est ce exactement et qui contribution que même il a apporté dans la société américaine non et mais qui est par exemple dans Miami ou bien en Floride gagne Doty Joseph gagne Marie Woodson gagne Linda Julien gagne Nancy Métayer et puis gagne Mackenzie Fleurimont et puis gagne Michael Joseph ça c'est
quelques noms que je vais dire, probablement qu'il y a plus. Nous parlons d'un niveau local et d'un niveau État. Et puis, dans New York, il y a Kimberly Jean-Pierre, il y a Michael Soulage, il y a tout Clyde ou bien Clyde Vanel, et puis il y a Woodnez Bichotte, et puis Farah Souffrant Forest. Ça, c'est quelques noms que le journal Le Nouveliste li publie et li ba, ils font une sorte de description de passé. Et gagne là qui s'est retourné son lot mandat au chaîne gagne tout qui nouveau venu et dans arène politique là et américain. Donc ça nous même tout nous au bout de que Haïti va avancer parce que au moins il commence à occuper quelques positions dans administration mais encore dans le système politique américain, il commence à faire entendre voix haïtien et dans le système politique américain. Il y a Haïti qui est de l'autre côté tout, mais nous voyons exactement l'ISA que quelqu'un l'ISA, ou bien monde, dans l'ISA que le journal Le Nouveliste est censé publier. Et puis, dans la nouvelle, en Haïti, pour que l'insécurité continue à faire parler de lui, en pile, augmentation qu'a fait, en pile, car l'insécurité qu'a fait. Alors, il y a une bague qui marque l'histoire, qui marque en pile monde, ses décisions et responsables. Et Union évangélique baptiste d'Haïti à UEBH, c'est Sanele Maranatha qui est dans la zone Bolos. Et en pile, nous sommes capables de connaître son école, ou, en fait, une institution même qui sont campus qui est situé dans la zone Bolos, là, en haut, dans la tête Bolos. Et bien, ils ont pris une décision pour quitter la zone Kounia. Après 78 ans, ils ont passé dans la servi communauté. Et ils ont dit raison, c'est parce que insécurité a négamé prend contrôle toute zone et au même d'après il y en a responsable t'a parlé et mais eux même prend eux-mêmes occupé santa ca eux-mêmes occupé espace côté camp dans campus a et eux demandé pour remettre zone là mais eux-mêmes ils sont des zones alors ça vraiment des négamé pour abandonner local là qu'on a son leur côté yo loué on l'autre local que yo qu'on a pu continuer activité et UEBH Sanele Union évangélique baptiste d'Haïti que en plein monde qui dans tête là qui porte contribution par en plein monde peut-être nous même qui regarder dans là qui était probablement connaît un monde qui était l'école dans l'école ça qui porte en plein contribution pendant 78 ans il est passé à servir communauté mais la force des forcés à abandonner zone dans Kounia, il obligé à prendre refuge à l'autre côté parce que dit qu'il y a un tel là parler, il y a monde qui parle venir prendre même bas il y a pour faire gratis monde pas même venir dans zone là à cause monsieur Negameo contrôlé et zone avenue Bolossa. Et puis nous rappelons que jeudi à ces journée mondiale et violence contre femmes actifie. Donc c'est un jour d'un côté et il y a pourtant attention spéciale sur violence qu'a fait sous femme avec Tifi. Et en occasion, il y a les États-Unis qui sont censés demander et leader mondial yo gouvernement yo et société civile là gouvernement yo avec l'autre monde l'autre partie qui concerne yo pour porter une sorte de contribution pour faire plus d'informations dit que c'est pas lutte contre violence contre femme avec Tifi, c'est pas un bail qui normalement qui a fait yon monde ou qui a fait yon gouvernement, c'est une lutte constante liée et que tout le monde doit porter une contribution yon bagay pour porter une contribution durable dans la lutte qu'a fait contre violence qu'a fait contre femme avec Tifi. Donc son gros journée et en Haïti tout gagner tout célébrer gagner et dirigeants et autorités particulièrement et organisation féminine yo gagner tout ministère la condition féminine et ben même il y a des activités pour sensibiliser et population bien monde qui exerce au moins monde qui fait violence sur femmes avec timon pour sensibiliser raison que c'est pas un bail qui positif qui de fait et qui contribution que toute partie concernée apporter pour réduire bien encore pour éliminer la violence qu'a fait sous femme avec Timon. Donc son grand journée qu'a fait jeudi. Et puis jeudi, par exemple, tu as gagné Dr. Yves Jambard, en fait, ancien président de la Fédération haïtienne de football, là, qui était normalement que FIFA a dit à vie et pour abus
sous tout monde, sous adolescent, ou bien abus d'autorité, et tout ça que FIFA a reproché, que le fait, que le t'a commis contre. Et demoiselle, ou bien petit adolescent qui était dans le camp, camp noir, dans le palais bouquet, ou bien pendant qu'il a pris le football, et cela a été daté de 2014 à 2020, et bien, et conférence de presse, que avocat et docteur Jean-Dou Jean-Bayo, qui, même si il y a une coupable, parce que la justice haïtienne, lui-même, joint que, et au Blanchili, donc il dit pas qu'il peut être prêt, donc au Blanchili, eh bien, confiant de près ça que le docteur Jean-Baptiste a un coup de balle, eh bien, et matin même, eh bien, il est envoyé. Il est envoyé, il est dit, donc il est envoyé à une date que personne ne connaît exactement. Voilà, c'est extensé, ça n'a pas dit grand point qui ça c'est à dominer l'actualité. Après-midi, comme d'habitude, collègue Jacques Mézé a fait une parler avec nous pour la venir expliquer nous et qui ça l'a préparé pour nous dans le journal et radio sous télévision. Donc, la venir expliquer nous qui ça l'a gagné dans Jacques Mézé. Moi, nous sommes toujours très contents parce que nous comptons suivre nous, moi qui ça non, qui ce commentaire que nous fait en bas live là. Et ça fait grand plaisir que nous gagnons aussi sympathisants, des amis par nous qui avec nous et qui tout côté et chaque côté que nous parlons, nous toujours montrer qu'on que nous apprécions le travail que l'équipe service que la voix de l'Amérique là a fait, y compris Jeffort que Costanio a fait malgré des conditions difficiles que y a travaillé sur terrain, mais quand même fait tout ça capable pour porter nouvelle là bas nous et tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et Jacques par m'inviter un moment pour pas remercier nous et même temps remercier correspondant tout pour travail ça qui a fait qui m'en pile sacrifice dans des moments difficiles que nous même nous connaissons que situation en Haïti c'est pas une situation facile mais y a là sur terrain et au moins y a porté nouvelle là bas nous Jean Lia y a nous comme ça et c'est parti travail. Je dis bonsoir, je dis bonjour à tout le monde qui est en train de saluer nous tous. Jésus, là, Moïse, je dis bonsoir. Je vais vous dire de tout le monde. Je vais vous dire tout le monde qui passe, même contre tout le monde qui est là. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui viennent, qui sont nouveaux, il y a des gens qui viennent. Eh bien, mon cher.